أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، on va faire la correction de l'exercice numéro 29, les suites numériques. Alors, on considère la suite numérique UN définie par U0 appartient à l'intervalle 0,1 et UN plus 1 est égal à racine carrée de 1 plus UN sur 2, N appartient à l'ensemble L. Premièrement, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un est compris entre 0 et 1. Bon, on a bien u0 est compris entre 0 et 1. Supposons que un compris entre 0 et 1 et montrant que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors on a un, l'hypothèse de récurrence, un est compris entre 0 et 1. Ce qui implique que je vais ajouter 1 de chaque côté. 1 est inférieur ou égal à 1 plus un est inférieur ou égal à 2. Je divise par 2. 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi fois 1 plus un, inférieur ou égal à 1. Je passe aux racines carrées, c'est la racine carrée de 1 demi, facteur de 1 plus un, inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2, ou là il est supérieur à 0. Ce qui implique, il y a un plus 1, mahsoura bayna sifr wahed. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a bien un est compris entre 0 et 1. Deuxièmement, montrer que la suite un est convergente. Donc on a la suite un est bornée entre 0 et 1. Elle est majorée par 1 et minorée par 0. Il nous reste à déterminer, à étudier la monotonie. Étude de la monotonie. Alors, pour quel que soit n appartient à n, je vais étudier le signe de un plus 1 moins un est égal à la racine carrée de 1 demi 1 plus un moins un. Je vais multiplier par le conjugué, c'est 1 demi 1 plus un moins un au carré sur la racine carrée de 1 demi facteur de 1 plus un plus un. Qui est égal à moins 2 un au carré plus un plus 1, le tout sur 2 facteurs de la racine carrée de 1 demi 1 plus un plus un. Bon, on a moins 2x au carré plus x plus 1, je peux le factoriser, est égal à moins 2x plus 1 facteur de x moins 1. On a 2x au carré, moins c'est moins 2x au carré, on a moins 2x plus x c'est moins x, mais le moins c'est plus x, on a c'est plus 1. Donc elle est égale à moins 2un plus 1 facteur de un moins 1, le tout sur 2 facteurs de la racine carrée de 1 demi 1 plus un plus un. Le dénominateur est positif. On a, quel que soit n, appartient à n, adna un, mahsoul bina safr, wahed. Donc, 2 fois un plus 1 est positif. Et un moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, on dit, est supérieur
O égale à 0. Donc, Un est une suite croissante majorée par 1. Donc, Un est convergente. Troisièmement, on pose maintenant Un est égal à cosinus, on pose U0 est égal à cosinus θ, avec θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Petit temps. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un est égal cosinus θ sur 2 à la puissance n. Alors on a u0 est égal à cosinus θ sur 2 à la puissance 0 lié à cosinus θ. Supposons que Un est égal à cosinus θ sur 2 à la puissance n. Et montrons que Un plus 1 est égal à cosinus θ sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, on a Un plus 1 est égal à racine carrée de 1 demi facteur de 1 plus Un, qui est égal à la racine carrée de 1 demi facteur de 1 plus cosinus θ sur 2 à la puissance n. Or, on a cosinus θ sur 2 à la puissance n, et cosinus 2 fois θ à la puissance 2n plus 1, qui est égal à cosinus carré θ sur 2 à la puissance n plus 1, moins sinus carré θ sur 2 à la puissance n plus 1, qui est égal à 2 cosinus carré θ sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Je remplace maintenant Eddy par cette expression. Alors, un plus 1 est égal à racine carrée de 1 demi facteur de 1 plus 2 fois cosinus carré θ sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Remchin est le moins 1, mais plus 1. Remchin est le 2, mais le 2. Maintenant, U c'est oui, racine carrée de cosinus carré θ sur 2 à la puissance n plus 1, qui est égal à la valeur absolue de cosinus θ sur 2 à la puissance n plus 1. On va étudier le signe de cosinus θ sur 2 à la puissance n plus 1. On a maintenant 2 à la puissance n plus 1 qui permet de faire 2. Ce qui signifie, ou ce qui implique, que 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sera le même à 1 demi. Je multiplie par θ, ce qui implique que θ sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à θ sur 2, qui est le même à 0. Voilà. Ou bien θ sera le même pi sur 2. Donc θ sur 2 sera le même pi sur 4. Adna adi mahsoura ma bayna 0 ou pi sur 4,
Donc le cosinus, donc cosinus θ sur 2 à la puissance n plus 1 est strictement positif. Donc un plus 1 est égal à cosinus θ sur 2 à la puissance n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à l'ensemble n, un est égal à cosinus θ sur 2 à la puissance n. Petit b. En déduire limite de la suite un. Alors, puisque limite de θ sur 2 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à θ fois limite de 1 sur 2 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et la fonction x a pour image cosinus x est continue en 0. Donc, limite de un lorsque un tend vers plus l'infini est égal limite de cosinus θ sur 2 à la puissance n lorsque un tend vers plus l'infini est égal à cosinus 0 est égal à 1.